En question. President, please be seated. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. The court is back in session. And the floor la parole is given est rendue to the deputy co-prosecutor to resume à interroger his le questioning. Thank you, Mr. President. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Mr. Witness, before the break, you mentioned avant la pause, Monsieur le Témoin, that after Huy Srei was arrested, vous avez dit his wife and children qu'après were arrested l'arrestation as well. De Huy Srei, do you happen sa femme to know ses enfants how old ont aussi his été children were? Arrêtés. Vous rappelez-vous l'âge qu'avaient ses enfants? I do not réponse, recall how old je ne sais they plus were. They were quel quite âge ils avaient. Young. Ils étaient petits. While I was working the field at the time, à l'époque, while je travaillais he was being arrested. Dans les champs lorsqu'il a été arrêté. Do you know the name of either his wife or his children? Question. Début inaudible. I do not remember réponse, his wife's name. Perhaps je ne sais plus her name comment may s'appelait have been Kuhn. Sa femme, peut-être Kuhn. And there was the younger sibling of Huy named Huyn also, il y avait aussi who Huyn was arrested, and I Huy cannot recall the names of Huy's children. J'ai oublié le nom des enfants okay, de Huy. Thank you. I'm going to turn to a discussion of Chiang Ai-k in a moment, but je vais first revenir I want à to Chiang ask Ai-k. You, focusing now on mais the period cela, after Chiang Ai-k was set up, après did killings la création continue de Chiang Ai-k, at the Tuol Sleng est-ce que compound, les exécutions se at the sont S21 poursuivies Tuol Sleng. So even after prisoners were being transported to Chiang Ai-k for execution, did some people continue to je be répète, killed est-ce qu'on a there continué at Tuol Sleng? À exécuter des gens à Tuol Sleng même, alors que les exécutions avaient commencé à Chiang Ai-k. I did not remember réponse, it well. Je ne m'en souviens pas bien. Cadres from S21 were also sent des cadres to Chiang Ai-k, de S21 and, ont aussi été envoyés à Chiang Ai-k. S21 guards were also sent there. Y compris des gardiens de S21. I want to ask you question about something from one of your statements. This is E3-5155, English 0016-1592, Khmer 0014-6640, and French 0014-8085. And you were asked, aside from Chiang Ai-k and S21, were there other locations? Chiang Ai-k et S21, and your answer was, quote, there were only these two sites. Il y avait seulement ces deux sites. Even when Chiang Ai-k existed, même quand there were still killings Chiang at S21 existait, il y avait encore when the number des exécutions was small à S21. And there were major people. Il y avait peu d'exécutions et les gens étaient exécutés, étaient des gens importants. Est-ce que cela vous rappelle qu'à S21, les exécutions se sont poursuivies et visaient un petit nombre de personnes importantes, même après la mise en place du site de Chiang Ai-k? Yes. Réponse. Yes, it still happened at Tuol Sleng. Effectivement, ça a continué à Tuol Sleng. Staff members of that location, some of them were not sent to Chiang Ai-k. Certains membres du personnel n'ont pas été envoyés à Chiang Ai-k. Right, ils ont within été the compound of S21. Tués sur place à S21. So you've mentioned staff members of S21. Vous avez parlé du personnel de S21. Compound. Vous avez dit que certains membres étaient exécutés à S21 même. Est-ce que d'autres gens ont continué à y être exécutés même après la mise en place du site de Chiang Ai-k? They were sent réponse to Chiang Ai-k. Ils ont été envoyés in fact, à Chiang Ai-k. Only, senior en réalité, or high-ranking cadres seuls les cadres de haut rang étaient exécutés rather at S21. À S21. A
Okay, I want to turn to question. Chiang Ike now. Passons à Chiang Ike. Talk about the establishment of that operation. Et à la mise en place. And my first question is, do you know the reason? Did anyone ever tell you the reason that Chiang Ike was set up, that killings were moved from le site S21 d'exécution to Chiang Ike? Et non plus S21. Ta Ho, réponse. Ta Deutsch a talk to Ta Ho ta at Deutsch, Ta Ho's house. On a parlé à Ta Ho. The discussion was that the killing would be stopped. L'idée at Tuol Sleng. C'était qu'il n'y aurait plus d'exécution à Tuol Sleng. The prisoners il would be sent que désormais les prisonniers seraient envoyés and the proper à location Chung would be où ils seraient located exécutés. For that execution. On disait qu'on allait établir un site pour ce faire. And do you remember or question. Did you learn the reason for that decision? In avez-vous other words, appris les raisons d'une telle décision? Why did they want to move the autrement killing dit, location from pourquoi ont-ils voulu transférer to le site d'exécution depuis Tuol Sleng vers Chiang Ike? They said. Réponse. There were no more killings at Tuol Sleng because the information of killings may have been leaked to the international, so killings locations would be found at Chiang Ike. À Tuol Sleng, I want to ask you about something that Deutsch said about the reason Chiang Ike was set up. Deutsch and see if that maybe refreshes your memory. Pourquoi this is Chiang Ike a été créé? Je vous renvoie à O3-5766. And this is the witness confrontation that you participated in, along with several other people, 2 days after your site visit to deux Chiang Ike. Après la visite du site de Chiang and the ERNs are English, les ERN les suivants, en anglais. 0016-5437, Khmer 0016-5427-0016, and French 0016-5445. Les suivants en Khmer et en français 0016-5445. And there's a discussion of transferring executions to Chiang Ike. And one of the things that Deutsch says is, quote, as I have already explained, there was a risk of epidemics around S21 because of the far too great number of corpses. So did you ever hear that as a rationale, either from Deutsch or from Tahor, or anyone else, ou quelqu'un d'autre avancer une telle explication, execution site needed to be moved was that there was a risk à savoir of epidemics qu'il y avait un risque d'épidémie à Tuol Sleng à cause du nombre de cadavres. I heard réponse. They say that there was bad smelling ils ont at, dit Tuol Sleng, que cela sentait mauvais à Tuol Sleng site would be moved from et que le site d'exécution to Chiang Ike. Serait transféré vers Chiang Ike. Okay, and before we get to the question. Mechanics of the tool of the Chiang Ike operation, avant d'examiner le fonctionnement I know this de may be a difficult Ike, question, but do you je vais have poser any une question peut-être un peu the total difficile. Of people pouvez-vous évaluer le nombre total de personnes qui ont été exécutées both at the S21 compound in Tuol Sleng and at Chiang Ike combined. Au total, donc. Réponse. I did not hold those documents. 10,000 of them, I may je n'avais pas de documents à ce sujet. Je citerai le, site, le chiffre de 10 000 personnes. Why do you say tens of thousands of people de dizaines de milliers de personnes. Those two locations? Question. Pourquoi parlez-vous de dizaines de milliers de personnes? From the evidence réponse. And from the calculation of the d'après total number, les preuves existantes, there were more than 20,000. Et d'après les calculs faits, present in plus de 20 000 personnes the ont été tuées. Wants to know about le président, your experience, your knowledge in relation to je m'adresse à l'accusation. What you did during the decay and that documents were
compiled or drawn up by the documentation Sachez center of Cambodia. Qu'il y a des documents en possession du centre de documentation du Cambodge. Monsieur le témoin, observation, l'accusation veut savoir ce que vous avez observé vous-même directement. L'accusation veut savoir ce que vous avez fait sous le régime du Cambodge démocratique. The co-prosecutor wants to know about the experience and knowledge at S21. So to your assumption, to your recollection and observation, d'après ce que vous avez observé, how many prisoners témoin, at that location? Why you said that there were 20,000? Avancez-vous le chiffre de 20,000? Réponse. Witness. Together at Chiang Hai and Tuas Lang, there were a lot of graves. Slang, I know that there were many tombes. Prisoner killed, Je sais but que beaucoup you de prisonniers can ont été ask exécutés. A question to Susti about Vous the total number of Susti killed prisoners. Au sujet du nombre total de prisonniers tués. Okay. L'accusation. So I want to move now to the mechanics of the Passons of the operations au of fonctionnement de Chiang Hai. And to start off with, can you tell us how you would learn that it was time for you to take Comment a group of prisoners to Chiang Hai? Comment appréciez-vous que le moment était venu d'emmener à Chiang Hai un groupe de prisonniers? Qui vous le disait? Comment en étiez-vous informé? Let me tell you. Réponse. The whole issued an order to me to and to my men to Tahor prepare the vehicle to bring prisoners ainsi qu'à to Chiang Hai. So I got the vehicle ready to load the prisoners from Tuas Lang to Chiang Hai. Pour envoyer les prisonniers and how long de in advance of taking a group of prisoners would Tahor Question inform you that you needed to do this? Would début he tell you inaudible. Just hours before? Would he give you one or 2 days notice? Est-ce que cela vous était annoncé quelques heures ou quelques jours à l'avance? Réponse. For instance, he would tell me at around 4 p.m. Il m'avertissait vers that 16 heures. A specific number of Il me disait prisoners would be taken from qu'un nombre précis de prisonniers serait envoyé and de Tuas Lang à Chiang Hai. And he would also tell me of how many vehicles Il needed me aussi to use to send those prisoners to Chiang Hai. Pour les envoyer là-bas. And what when he would tell you that, would you Question. Communicate that information to Comrade Tang and the people? Est-ce que vous communiquez l'information aux camarades de Teng et à ceux qui étaient stationnés en permanence à Chiang Hai? Réponse. I did not know about that. Tahor usually was on en général, his motorbike Tahor and perhaps he told his messenger to go Peut-être and qu'il a tell dit à son messager Teng. D'aller annoncer la chose à Teng. I want to ask you Question. About something that witness Toi Tang, le témoin Toi Tang said in this court a dit on the quelque chose 21st ici même, of April, le 21 this is avril, just after 3:18 p.m. from the transcript après of that day. 15h18 minutes. Je vous renvoie à la transcription. He was talking about his task of digging pits Il at Chiang Hai, and he said, des quote, fosses qu'il devait creuser à Chiang Hai. Je cite, avant que des prisonniers soient amenés, Huy nous avait annoncé 2 jours à l'avance qu'il fallait préparer ces fosses. That on this particular day, le jour en question, prisoners would be brought in, les prisonniers étaient amenés sur place, and for that reason, our group had to be et notre ready groupe devait those se pits, tenir prêt. Unquote. Les fosses devaient être prêtes. Fin so, citation. Does that refresh your memory? Do you Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire. Vous rappelez-vous avoir été en communication avec le camarade Teng? Vous souvenez-vous l'avoir averti à l'avance qu'un groupe de prisonniers allait arriver et qu'il fallait donc préparer des fosses? There was one time Réponse. Tahor asked me Une fois, Tahor go on a m'a motorbike to tell Teng to d'aller dig the graves trouver Teng and à mobilette pour lui dire de creuser des fosses. Prisoners would be sent to et pour lui dire que on des prisonniers seraient and, envoyés graves tel jour. Needed to be
dug. Et qu'il fallait donc creuser deux fosses. No staff member j'ai dit à Teng could go anywhere else besides waiting at the place to be ready. Que le personnel devait attendre sur place et se tenir prêt. And when you say that two graves needed to quand be vous dug, parlez de deux fosses, how many prisoners would fit into each of these? Combien de prisonniers chacune de ces deux fosses pouvait contenir? The two graves would fit 100 les deux bodies. Fosses pouvaient contenir 100 cadavres. 100 bodies question. Combined 100 cadavres graves, that, au total ou 100 cadavres par fosse? One grave could fit 50. Une fosse pouvait contenir 50 corps. Sometimes one grave would be needed for 50 or 60 bodies. Une fosse était utilisée pour contenir 50 ou 60 corps. You mentioned question. You informing Comrade Tang vous about dites avoir annoncé the, à Tang qu'il fallait creuser. Do you know if he was informed in advance on other occasions? Savez-vous and if so, how, si or do you not il a aussi that? Été averti à l'avance à d'autres occasions? Et si oui, comment l'avez-vous su? When Tahor asked me to go and tell réponse. Teng, I would Tahor do so. M'a demandé d'aller avertir Teng. And alors usually je l'ai the fait. Graves would be ready, général, and I did prêtes. Not know how long they had dug the graves. Je ne sais pas depuis before, combien de temps the prisoners les were sent to étaient their location. Prêtes. Are you able to estimate question. The average size of a group of prisoners moyenne, that you would transport combien to de Chiang personnes Haik? Comprenez les groupes de prisonniers que vous ameniez à Chiang Haik. From 50 prisoners réponse. Up to 100 entre 50 et 100. And question. Just to make sure I understood you correctly, did you say 50 prisoners up to 100 or did you say 50 prisoners up to hundreds? In other words, avez-vous multiple dit hundreds. Entre 50 et 100 ou entre 50 et plusieurs centaines? Pardon, mais... Réponse. One trip, a vehicle could accommodate à chaque trajet, 30 un véhicule pouvait contenir 40, 30 ou 40 prisonniers. And sometimes we had to go two times parfois, with the prisoners on the two vehicles. Faire deux trajets et utiliser deux véhicules. Okay. L'accusation. Très bien. Can you tell us, were there ever groups that were significantly larger than that? Do you remember? Y a-t-il parfois eu des groupes bien plus grands? Groups that were much larger than the average size group ever being taken to Chiang Haik. In other words, multiple hundreds. Autrement dit. Avez-vous jamais vu des groupes de plusieurs centaines de personnes être envoyés à Chiang Haik? I do not know réponse. About that. Not only je n'en sais rien. I go Peng Ho also went, so I Peng do Ho, not know for sure. Eux aussi allaient là-bas. Je n'étais pas le seul à le faire. Je ne suis donc pas certain. And roughly, how often would question. You take a group of prisoners à quelle to Chiang Haik? Fréquence environ would it happen daily, amenez-vous weekly, monthly? Un groupe de prisonniers à Chiang Haik? Une fois par jour, par semaine ou par mois? I cannot réponse. Tell you. Sometimes I was required to go, parfois, and on another occasion, Paul was required, and parfois, sometimes Pain, I cannot parfois, recall Pain, it well. Je ne sais plus très bien. Okay, so if I've understood you correctly, si you said compris. That
Sometimes you would go, vous avez dit que parfois Peng would go, vous y alliez, parfois c'était Peng, parfois c'était Paul. Correct? Est-ce exact? Réponse. That is correct. Peng, oui. Paul. And Peng, I Paul would take turn and when y allions à to tour that location. So it depended on the instruction of Paul, tout dépendait des instructions on the order de Paul. Whom, which person qui disait would go. Quelle personne devait y aller. And maybe you don't know this, question. But if you do know, was it roughly equally divided? In other words, est-ce would you go a third of the time? Peng would go a third of the time. Façon égale. Paul would go a third autrement of the time. Dit, vous y alliez une fois sur trois, et chacun the des deux went? Autres également une fois sur trois. Peut-être que vous ne le savez pas, mais si vous le savez, veuillez répondre. It did not depend on us to divide the workload. It depended on Paul, who was the one who issued the workload. And I cannot recall how many trips I went to the location and how many trips Paul did the job. So it depended on Paul. Tout dépendait des instructions de Paul. My task was to receive prisoners on specific locations, était de usually. Réceptionner des prisonniers à un endroit précis. When you were taking question. Prisoners to Chiang Ik, lorsque approximately what time of day vous ameniez would you usually des prisonniers travel à Chiang Ik, en général, c'était à quelle heure de la journée? It was a quiet period of time. Perhaps it happened réponse. At around 8 p.m. Quand or il faisait calme. Maybe vers between that 8 or a bit later after that time. Ou un peu après. Question. And were the prisoners blindfolded and les prisonniers handcuffed when you took avaient-ils them les to yeux Chiang bandés? Ike? Étaient-ils menottés quand vous les emmeniez à Chiang Ik? Before prisoners réponse. Were sent to that location, those prisoners were blindfolded and ces their hands prisonniers avaient les yeux bound bandés behind their backs. Et ils avaient and les mains when dans le dos the prisoners avant de partir. Were on the vehicles, they were also à bord shackled des véhicules, and ils étaient également entravés handcuffed. Et menottés. Did anyone tell the prisoners question. Where they were being taken? Est-ce que quelqu'un disait aux prisonniers où on les emmenait? The regulation was réponse. D'après le règlement, not to tell the prisoners on ne pouvait pas dire aux prisonniers to be killed. They were staff members were required to tell the prisoners exécutés. That they needed to go and live in a new house. On devait leur dire qu'ils déménageaient. How many guards would you bring along with you when you took a question. Group of prisoners quand to Chiang Ik? Quand vous emmeniez des prisonniers à Chiang Ik. Combien de gardes vous accompagnez? Two guards réponse. On a vehicle. Deux gardes par véhicule. Protecting the prisoners at the back and one driver and another guard inside the cabin. Un chauffeur et un autre garde dans la cabine. I want to ask you now about lists of prisoners. Did you question. Receive a list of prisoners from anyone, avez-vous reçu de quiconque une liste de prisonniers taking a group to Chiang Ik? Lorsque vous emmeniez un groupe à Chiang Ik. I did not receive the réponse. List of prisoners from je any ne other person, pas but I was given a pen. En revanche, on me donnait and perhaps a un piece of stylo paper et to un bout de register papier. The numbers of the prisoner afin I d'y inscrire received, le nombre and, de prisonniers réceptionnés. And then I would present that ensuite, piece of notes je remettais to Susti cette to note verify the numbers qui of prisoners sent to vérifier. So, at what points in the question. Process would you count the number à of quel prisoners? Moment est-ce que vous comptiez les prisonniers? Under your control, would you count them before you left? Était-ce avant Slang, le départ de Tuol Sleng? On arrival at Chiang Ik? Était-ce à l'arrivée à Chiang Ik? Or both? Ou les deux? Or when would you count them?
Réponse. After prisoners. In fact, Suti knew how many prisoners were sent out of savait combien de prisonniers étaient envoyés à l'extérieur de Tuol Sleng. So the I would do the head count when the prisoners were being uploaded onto the vehicles. And then, when we arrived at Chiang'ai, I would do the head count again. À nouveau, je comptais les prisonniers. When they were being unloaded out of the vehicle, for example, on one occasion, perhaps 50 to 80 prisoners were being unloaded into the house at Chiang'ai, I would note the numbers of the prisoners, and after the mission completed, I would then send the report to Suti to verify the numbers of prisoners sent to Chiang'ai. Qui vérifiait le nombre de prisonniers envoyés à Chiang'ai pour voir si ce nombre était correct. And once you question. Once you reported the completion of the mission to Quand vous faisiez rapport à Suti, une fois la mission accomplie, savez-vous s'il établissait d'autres documents sur le fondement de votre propre rapport? I handed over the report to him. Je lui remettais he un rapport. Then would verify Ensuite, the number il procédait of à la prisoners vérification du nombre de prisonniers. He had in hand, and he would the one who would be the one who verify the number of prisoners on the report. Et c'est lui qui s'en chargeait. And were you present when he was doing this? Question. Would you see him check your number faisait, against some other présent, document or no? Est-ce qu'il confrontait vos chiffres à d'autres documents? I was not present. After I handed over the report, I went back to my location. Je lui remettais mon rapport et je rentrais là okay, où je so devais going aller. Back to the, Question. Going back to the transportation to Chiang'ai, once you Revenons arrived at Chiang'ai, au transport vers Chiang'ai. How were the prisoners unloaded and where were they put? Sur place, dans quelles conditions est-ce qu'on faisait descendre les prisonniers des véhicules et qu'en faisait-on? As I told you already, Réponse, comme je l'ai déjà upon dit, arrival, the vehicles à l'arrivée would sur place, drive close to les a véhicules house. There was a s'approchaient big room d'une maison. In Il that y avait house, là une and grande the house pièce. Wall was made out of wood. Le mur était en bois. And the two guards would be on the vehicle. Les deux gardiens help unloading the prisoners onto the ground with the help of another two guards. À l'aide and de then de the deux prisoners were brought into that big room. Ensuite, on conduisait les prisonniers dans cette and grande were salle. The prisoners still blindfolded Question. And handcuffed at the Était-il point they were toujours brought into the room in that house? Menottés, et est-ce qu'ils avaient toujours les yeux bandés quand on les amenait dans cette salle? Réponse. They were handcuffed while Ils étaient being menottés unloaded and their en descendant hands, des véhicules. Were tied behind their backs Ils while being unloaded. They were also blindfolded not to recognize the routes that they were sent along the way. La route empruntée. And do you recall there being an electric generator Question. In the house where the prisoners were put? La maison utilisée pour réceptionner les prisonniers était-elle équipée d'un générateur? I can recall D'après vos souvenirs. That there Réponse. Was one D'après mes generator souvenirs, using il y avait un générateur. And that generator was used for the time when the prisoners were there, said the witness. Lorsque les témoins étaient sur place. Was that generator loud when the generator Question. Was running? Ce générateur faisait-il du bruit? Was it possible to hear what was happening outside the house? Autrement dit,
depuis l'extérieur de la maison, est-ce qu'on pouvait entendre ce qui se produisait? It made a loud noise. Il faisait beaucoup de bruit. Running. And that generator was located near a tomb, and I do not know where the prisoners were sent to when they were needed for execution. Et je ne sais pas où étaient envoyés les prisonniers pour se faire exécuter. How were the prisoners taken out of the house and taken to the place where they were killed? Amenait-on les prisonniers depuis la maison vers le lieu d'exécution? When the prisoners were sent out of the house, lorsqu'on sortait les prisonniers de la maison, prisoners were sent out one at a time, and there was a chair for me. On les sortait les uns après les autres. At that location, à cet endroit, took the name one by one. Il y avait une chaise pour moi. And after the names were recorded, they were sent away leur nom for execution. Après les autres, prisoners would be asked to sit down, and then they were clapped behind on the back of their neck. S'asseoir. On leur demandait de s'asseoir et so you've on mentioned that at this point you took their names. Did you actually write down their full question. Name rather than vous just que doing a head count? Vous inscriviez leur nom. Est-ce que vous marquiez leur nom complet après en avoir fait le décompte? I would write a sequential number 1, 2, 3, 4, 5. Je marquais des nombres en série. And when each prisoner was brought in, I would write down the named. Et lorsque le prisonnier arrivait, je marquais leur nom, so there were names numéro 1 as well as jusqu'à 5, of the prisoners. Suivi des noms and respectifs who des prisonniers. Was it that was actually taking the prisoners past question. Your chair and on to the qui execution site? Accompagnait les prisonniers jusqu'au niveau où vous étiez assis sur votre chaise et sur le lieu d'exécution? As I said, every one of us, réponse. Prisoners were brought down from the tracks, and we all comme assisted dit, them, and then they were brought into the room, and later camions, on they were let out one by one. On les faisait entrer one. Dans la maison, et plus tard, on les en faisait sortir les uns après also les autres. There. He was the one who organized Tahor the était également présent, and c'est lui qui organisait l'exécution. Walked through the pit to be killed. Et chaque prisonnier devait être escorté jusqu'à la fosse pour être exécuté. Being moved to the pits, question. Did they give any signs that they knew that they were prisonniers about to be killed? Montraient-ils des signes qu'ils savaient qu'ils devaient être exécutés à mesure qu'on les amenait vers le lieu d'exécution? Avait-il dit ou fait quoi que ce soit qui pourrait montrer qu'ils étaient au courant qu'ils seraient exécutés? I did not know about that. Réponse. However, we were told je n'en sais rien. They were told to be relocated to the new house. On leur avait dit qu'ils déménageaient I want to ask you about something that, vers une nouvelle maison. Toi Tang said on this point. Je vais vous this was on the poser 21st une question of April, au sujet de Toi Tang. Toi Tang a dit so he was talking avril, about the prisoners being moved from the house to the killing pits. Il a dit que les prisonniers sortaient de la maison pour être conduits vers le fosse d'exécution. Il a indiqué que les prisonniers eux-mêmes savaient que c'était la fin de leur vie. Il dit, je cite, ils pleuraient, ils criaient, alors qu'on les sortait de la maison, ils imploraient des mains pour qu'on épargne leur vie. So my question to you is, did you ever see anything like that? Did you see prisoners crying or begging for their lives? Avez-vous vu des prisonniers pleurer et supplier pour leur vie? I did not hear that, however, I heard the cry réponse. As myself. I was busy writing down the name. Mais j'ai entendu les cris et les pleurs. The j'étais occupé à relever les noms. Mais j'ai entendu les prisonniers pleurer. And when you heard them cry, did you hear them actually saying something? Was lorsque it words or was it just avez entendu just les pleurs, a cry? Est-ce que vous les avez entendus tenir des propos, dire quelque chose?
ou se contentait-il simplement de pleurer? It was difficult to hear the cry. Réponse. Nous allions faire d'après les instructions reçues. Can you tell us how the prisoners were killed at Chiang Kai? Pouvez-vous nous dire comment les prisonniers à Chiang Kai étaient exécutés? After the name was written down, réponse, the prisoner was walked through the rim of nom, the le prisonnier était escorté pit. Au bord de la fosse. The prisoner was asked to kneel down. Then a metal bar was used to strike the nape of the neck. Et un coup lui était asséné à la nuque avec une barre en métal. The throat was slashed as well. And for sa gorge a good clothes, they will be tranchée. Stripped down from the prisoner. But they did not have les to strip off the old clothes, and the instruction to strip off clothes from prisoners nouveaux. Were from home. L'instruction venait dehors quand prisoners were also les prisonniers. Disemboweled. The shackles or cuffs had to be removed, then on they would be thrown into the pit. Ou qu'on jetait dans la fosse. And do you know what specifically une question. Was used to cut the prisoners' quel throats and précis to disembowel était them? Pour what kind of égorger knife or cutting weapon was used? Les prisonniers ou les éventrés. At that location, there was a knife. Réponse, that is a knife for cutting palm trees. Il y avait un couteau qui servait à saigner des palmiers à sucre. And actually, they after the prisoner was struck down. They had, après avoir frappé le prisonnier, with that knife. Sa gorge était ensuite tranchée à l'aide de ce couteau. Was there ever any training in this question. Killing technique? Were you ever told by anyone? Est-ce qu'il y avait des formations? Or were the other guards told by anyone? This is the proper killing au sujet technique. De la méthode d'exécution. Est-ce que d'autres gardiens avaient été formés à cette méthode, à savoir asséner un coup à la nuque avec une barre en métal? Et égorger ensuite le prisonnier. Cette méthode vous avait-elle été enseignée? It was Ho and Deutsch who taught réponse. Us how to kill prisoners that way, and they drew from their façon. Experience how to kill the prisoners, and ils they taught us enseigné, where de to expérience. Strike. So a prisoner had to be struck at the nape of the neck, then the throat had to be slashed, after that the cuff ensuite, had to be removed, new clothes had to be stripped, and the, after the prisoner was disemboweled, then the thrown into the pit. Enlevé. Ensuite, le prisonnier and devait where did that instruction éventré et jeté take dans la place? Fosse. Was this something they taught you at Chiang Kai, or had they taught you at a ces meeting instructions somewhere vous ont previously? Été données à Chiang Kai, ou plutôt dans le cadre de réunions tenues antérieurement? Since we were at those lines, and the same instructions were relayed to us when we were at Chiang Kai. Les mêmes instructions. À Tulsling, nous avons reçu ces instructions qui ont été relayées à Chiang Ek. Was he present question. Every time that vous you were there, que Hor or was he only à present Chiang sometimes? Était-il présent tout le temps où vous y étiez, ou juste quelques fois? Tahor was in réponse. The same vehicle as a river. Tahor as for Tadouch, he was in a separate vehicle that is quant his jeep. Tadouch, il était dans and Tahor came with dans us dans with un autre those véhicule, prisoners. À savoir
dans une And just to be clear, did he come every single time you went, or did he come most of the time, sometimes, question, venait-il rarely? À chaque fois, quelquefois, ou rarement? He came every time. Réponse, il venait chaque And fois. And what about Dutch? Question, how often did he qu'en come est-il de Dutch? À quelle fréquence venait-il à Chiang'ek? As for Dutch, he really came Dutch venait rarement. Only Tao, every time there was a batch of prisoners who had to be Seul Tao brought there, Ho would accompany them. Aucun groupe de prisonniers devait y être emmené. Do you remember how many times you saw Dutch Question, come to Chiang'ek? Le nombre de fois où vous avez vu Dutch à Chiang'ek? I saw him about 3 times. Réponse, je l'ai vu 3 fois environ. And I want to ask you now about who it was that actually Question. Carried out the killings. Qui was it effectuait you and the people who came with you? Les exécutions. Was it Comrade Tang Était-ce and the people who were stationed le camarade Tang with him, or was it, et les personnes was it everyone? Postées avec lui sur les lieux, ou était-ce toute autre personne? Tao who organized Réponse, the force to go. C'est Tao qui organisait there les were forces. A group of us who were sent there, and we had to get along the fence of the execution site, Nous and then we had to walk the prisoners clôture, to Tang's group. Jusque sur le site As de, for further arrangement, I did not know. So at the Nous time, I was responsible Tang. To write down the name of the prisoners ne, who were let out to the site. Car à l'époque, j'étais chargé de relever le nom des prisonniers qui arrivaient sur le site. Did you ever, on any occasion, Question. I'm not asking about the usual routine now, occasion, but did you ever, on any occasion, de la routine kill générale, one or more prisoners at Chiang'ek? J'aimerais savoir si, quelquefois, vous avez tué un ou plusieurs prisonniers à Chiang'ek. Duty Council, Mr. President, Le Président. I seek your leave so that I L'avocat can discuss permanence. This matter with Monsieur the le Président, j'aimerais que la Chambre m'autorise à discuter de ce point avec mon client. Witness. I wish to decline to respond to your question. J'aimerais ne pas répondre à votre question. Okay. President, Councilor Copper, you have the floor. Maître Copper, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. I believe in this particular instance, je pense que the witness dans ce cas particulier, has no right le témoin to decline to n'a answer pas le droit the question. De refuser de répondre à la question. Two reasons, as I said. Pour deux raisons. First, on the matter of the content of his Tout d'abord, statement so far, en ce qui concerne la teneur de sa déposition, a gradual à ce jour, in terms of, criminal responsibility il y a une contradiction progressive en termes de responsabilité there, pénale en matière d'exécution du fait qu'il se trouvait sur le lieu et organisait les choses. Sur le plan pénal, il serait tout aussi coupable que s'il avait physiquement perpétré l'acte. Le deuxième motif est que le témoin a été déclaré coupable après 1979 par un tribunal à raison de sa participation aux exécutions à Chiang'ek. That being the case, there is no risk whatsoever, cela dit, il n'y a donc in English, double jeopardy, aucun risque de double incrimination in Latin, nabis in idem. Ou there is no danger non bis in idem en latin ou double jeopardy en anglais, case, il n'y a donc pas de risque qu'il s'expose à des poursuites. The right to,
En conséquence, le témoin n'a donc pas le droit de refuser de répondre au motif que sa déclaration l'exposerait à des poursuites. La situation ici est différente. Normalement, je n'aurais jamais fait objection si un témoin refuse de répondre par peur de s'incriminer, mais pour ce témoin, il n'existe aucun risque de ce type. Judge Lavergne, you have the floor. Le président, Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. Oui, Maître Copé, vous faites référence yes, à une Copé, are you referring condamnation to a previous conviction of this witness? Do you have any reference that you could provide us with? Could we check this? What are we talking about exactly? I don't have the exact. La défense, je n'ai pas la référence exacte, mais je pourrais la communiquer. Monsieur le juge Lavergne, le témoin lui-même, dans les années 80, a dit avoir été condamné à 24 mois, du moins il a purgé une peine de 24 mois. Counsel, do you know for what he was convicted? Juge Fens. Do we have any way to ensure that he was convicted exactly? Un moyen de savoir qu'il a été déclaré coupable de ce fait exact. Maître Copeux, je n'ai pas le jugement en lui-même, si c'est ce que vous voulez dire, mais le témoin a dit lui-même avoir été déclaré coupable pour les exécutions à Changek et sa participation en général à S21. Mr. President, just briefly, this is obviously a matter for the chamber. Très brièvement, my only observation is that, in my understanding, the principle of double jeopardy is very precise. It doesn't attach to a sort of, cloud of facts and circumstances. It attaches to a conviction for a particular act by a particular mode of responsibility. And so, without knowing the exact terms of the conviction, sans connaître it's difficult les termes to say that there's no, qui sous-tendent cette déclaration de culpabilité. But as I said, I understand this is a matter for the chamber. Il n'y a aucun risque d'auto-incrimination pour ce témoin. Maître Coupe, Monsieur le Président, j'ai la référence, c'est le document E3/1918. L'article du CDCAM intitulé Searching for the Truth. Him Huy, chef adjoint de l'unité de garde, a été emprisonné pendant 2 ans à la province de Kandel. Juge Fens, y a-t-il des informations supplémentaires? That's even less information than I would have expected. Au sujet des motifs de son emprisonnement, j'attendais plus d'informations, si c'est le seul document que vous avez. Maître Copeux, je voulais commencer à poser des questions au témoin sur la nature précise de sa condamnation et les motifs de cette déclaration de culpabilité, mais j'en ai été empêché par le refus du témoin de répondre. Je pense que nous pouvons demander au témoin lui-même de nous dire ce qu'il sait au sujet de cette condamnation de 24 mois. C'est la seule façon pour nous de le savoir. Witness, do you have just one question? Do you have Judge Fens, a written version le témoin, une question. Of the verdict? Avez-vous la version écrite? Counsel just mentioned du verdict ou du jugement dont vient de parler la défense. Of the verdict. Avez-vous le jugement écrit? In 1981, réponse, en 1981, police from the district arrested la police du district m'a arrêté. And they detained me for about 2 months, et m'a détenu pendant 2 ou 3 mois. Then I was sent to work at the rice field puis near the Vietnamese border. Dans les rizières, près de la frontière vietnamienne. The police from the district released me. La police du district. Do you remember a trial?
judge ever getting up and saying you are guilty because, for instance, you killed prisoners at S21 and writing it down in your verdict? Coupable pour avoir, disons, exécuté les gens à S21. Est-ce que cela a été porté par écrit dans le jugement? At that time, I was accused of being chief of a two-line prison, and I denied that. I said if I were chief of a two-line prison, I would not return to my native village. And I said that I was a victim of the center. Je dois affirmer que j'étais une victime de ce centre. And that I actually tried to flee away from the group. Et qu'en fait, j'avais essayé de m'enfuir de ce centre. Juge Fens. Très bien, mais est-ce qu'il y a eu un procès qui avait été mené? Avez-vous parlé à la police? Comprenez-vous ce que l'on entend par procès? Est-ce que vous avez comparu devant des juges qui vous ont posé des questions? At that time, there was no such thing. Réponse, il n'y avait rien de tel à l'époque. Et par la suite, j'ai été renvoyée chez moi. Juge Fens, si je vous en comprends bien, vous ne vous rappelez pas qu'un procès a été tenu et vous n'avez aucun document écrit. Est-ce exact? I don't understand it. Réponse, je ne comprends pas votre question. President, the question is, when you were la question est la imprisoned suivante. In 1981, lorsque vous avez été détenu en 1981, was there any Cambodian people's trial y a-t-il eu before you were sent to prison, un procès devant le peuple cambodgien were you avant actually d'être envoyé sent en prison? Imprisoned by the police, avez-vous été and then later on you were sent to work at the rice fields at the Cambodian-Vietnamese border. Ensuite, à quoi on vous a envoyé travailler dans des rizières à la frontière Khmer Rouge vietnamienne? I was put in prison. Réponse. For about 2 months. J'ai été détenu en then prison I was sent to work in the pendant rice field. Environ 2 mois. Puis l'on m'a envoyé travailler dans and after des that, rizières. They took me back for interrogation. Par la suite. And m'a I was put in prison again for several months. Then I was sent to work in the rice fields again. Suite à quoi, and m'a several months after, I was released and sent plusieurs home. Mois après, l'on m'a relâché question. Et renvoyé chez moi. So, does it mean that you never question. Actually went through a trial cela proceeding? Veut dire que vous n'avez you were jamais living in Gatu province, and it means that the competent court would be the provincial donc, le Kandal court. Serait le were you convicted by the provincial Kandal. Court of a Kandal province? Avez-vous été condamné par le tribunal provincial de only, Kandal? At the level of the police headquarters in Gatu district? Êtes-vous uniquement resté au siège de la police dans le district de Kontum. President, do you understand, Mr. Witness? Le président. Did you go through a trial proceeding after your detention at the police office in Kontum district? Vous avez eu un procès après votre détention par la police de Kontum? Answer, I did not know about that. As réponse, I said later on, I was sent rien. Home. Comme je l'ai dit tantôt, l'on m'a renvoyé chez moi. President, I would like to inform the président. Parties that since I am also a local j'aimerais judge les parties, and I work for the Ministry of Justice juge since 1982, ayant travaillé au ministère de la Justice depuis if 1982, the court was only established after 1982. And actually, it was in its full operation in 1984. Though I may need to find such documents so that can be included into the case filed. There is the sub-degree for the establishment of des courts dans le dossier domestic c'est court le after 1979 établissement du tribunal interne après 1974 based on the available information at this stage le président
and the witness actually declined to respond to the question to avoid self-discrimination, and the chamber deems that is appropriate, as the chamber does not have the authority to compel the witness to respond to any question if the witness exercises that right of against self-incrimination. La chambre doit donc respecter le droit du témoin and à la non-incrimination de soi. Prosecutor, you may continue, and you probably have two or three more questions before the lunch break. Vous pouvez poursuivre et poser deux ou trois autres questions avant la pause déjeuner. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Mr. Witness, I want to turn now to the question of the authority over S21, that is, the people above de l'autorité above S21. À S21, do you know à savoir who le supérieur de DOIC. Question. Saviez-vous qui étaient les supérieurs de DOIC? Previously, it was Sun Sen who was a DOIC superior. Réponse. C'était Sun Sen qui était le supérieur de DOIC à cette époque. Do you know for how long he remained question. DOIC's savez-vous superior? Pendant combien can de you temps tell us how you know that as well? Il est resté le supérieur de DOIC et comment vous le savez? I did not know from when he became DOIC's superior. Il est devenu supérieur later on, de DOIC. He went to engage in the battlefields with Vietnam. Il est allé and from that point à la onward, à I did not know who was actually the direct superior of DOIC. De ce but previously, I knew, as I said, it was Sun Sen. Comme je l'ai dit tantôt, c'était Sun Sen, à ma connaissance. Question, je voudrais m'assurer d'avoir bien compris votre réponse. Was it your understanding that at the time, Sun Sen à l'époque, went to engage in the vous aviez compris que Sun Sen était allé sur les champs de bataille pour combattre les Vietnamiens, et à ce moment-là, il avait cessé d'être le supérieur de DOIC. Yes. He took the troops to réponse, go and oui. Fight against the Vietnamese troops. Il avait mené les troupes and what makes you say that at the point that he led the troops against the Vietnamese troops, he ceased being DOIC's superior? Pourquoi dites-vous qu'il avait cessé d'être le supérieur de DOIC au moment où il était allé conduire les troupes cambodgiennes pour combattre les troupes vietnamiennes? Sun Sen used to come to conduct study sessions for us, and Sun we knew that he was DOIC's superior. Organiser les séances de formation. Later on, he took attention. The forces to go je and fight against the Vietnamese. DOIC, and as I said, at one point, I stood up and raised my hand and requested to go along to the battlefield, so that if I died, I died alone without any harm to my family members. Pour que si je but meurs, Sun Sen je meurs at the time declined que my request. Ma famille n'ait à en souffrir. Mais Sun Sen avait rejeté you've mentioned ma requête. Seeing him at S21. Question. Vous how avez-il l'avoir vu à S21? Combien de fois, à votre souvenance? I saw him for one time réponse. When he came je to conduct a study session for us. Lorsqu'il est venu mener des séances you de know, formation. When it was? That you saw him there question. At S21? Savez-vous à quelle date vous l'avez vu à S21? I cannot recall it exactly. Réponse, it je was ne m'en souviens in pas 1977 when there c'était were fightings against the Vietnamese. Alors que, Mr. President, alors I do have about 10 minutes les Vietnamiens. More worth of questions. But Monsieur le Président, je nécessiterai 10 minutes de plus pour achever mon interrogatoire. Mais je suppose que je pourrais le faire après la pause. Le président. Thank you. It is now convenient to have our lunch break. We'll take a break merci, now le moment and important pour nous de prendre la pause déjeuner pour reprendre à 13h30 cet après-midi. Waiting room reserved for witnesses and civil parties during the lunch break. À la salle d'attente and invite him as well as the judicial counsel back into the courtroom at 1:30 this afternoon. À 13h30.
security personnel vient cela de take son you some point to the waiting room downstairs. Agent de sécurité veut conduire que son point to attend the proceedings this afternoon before 1:30. Le ramener avant 13h30 pour la reprise de l'audience cet après-midi. Suspension de l'audience.